Bonjour les gars! Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de FIFA 18 du mode aventure. Et voilà, donc c'était le premier épisode, le jeu a bugué à la fin. Heureusement que c'était à la fin. Donc voilà, moi j'ai terminé le match. Donc ça c'est la scène juste après l'entraînement. Voilà. Donc j'ai terminé le match avec une cote de 7,3 je Tout d'un coup, pense. la Martinique me semble vraiment, vraiment bien loin. Ta bonne humeur m'a vraiment manqué, Lily. Il faut que tu sois privée de quelque chose pour que ça te manque, c'est ça? Bon, où est-ce qu'on va manger? Je vais vous faire faux bond, je suis désolé. Ah ouais, Philippe! Les médias vont faire la cour au nouveau chouchou de la Première Ligue. Si, si. Ah ouais, j'ai oublié de changer Alexander. son S'il vous plaît, monsieur ses Hunter, je cheveux peux et tout avoir un ça. autographe? Oh, Je le lâchez-moi, referai après. d'accord? Il faut pas que ça te monte à la tête, Alex. Dans cette équipe, il n'y a pas que toi. Il y a nous aussi. Il y a moi, surtout. Donc ça, c'est des personnages inventés, hein, qui n'existent pas. Bien sûr, il n'y a pas ces gens-là qui jouent à Manchester. Ils ont été inventés pour le jeu. Ok. Donc on va vite faire venir ici parce que voilà, ça me fait chier. Je dois tout refaire. Donc on lui avait mis ça. Pantalon, on lui avait mis ça. Les chaussures, on lui avait laissé les mêmes. Après, apparence, coupe de cheveux, on avait mis ça. Hop. Nuque droite, on avait mis une encre. Nuque gauche, on avait mis ça. La nuque, on avait mis la couronne. Le bras droit, on avait mis ça, je pense. Et le bras gauche, on a mis les roses. Très, très bien. Après, ici, on avait laissé comme ça. La taille, on avait laissé comme ça. Les manches, on avait laissé comme ça. Les chaussures, on avait mis... Bam, 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 bam. Ça. Les chaussettes, c'est à la Dybala, comme ça. Et les chevilles, on avait mis des bandes blanches. Parfait. Voilà, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Pourquoi il y a un petit... il y a toujours un petit 1 en rouge en fait. Ah ok, j'ai débloqué un nouveau truc. Très bien. Si tu veux. On va laisser les roses. Ok, donc voilà. Donc en fait je veux voir dans les paramètres le mode de difficulté. On va être quand même semi-pro parce que... voilà, ça va être chaud sinon... Parfait. Donc on va continuer ce mode aventure. On va voir ce qui va se passer maintenant. Calmement. Ah, il est stylé comme ça. Putain de merde, les gars. Il est stylé, mon gars. Et on voit Rashford. Salut, ça va? Allez, bien faire Rashford, hein. Tout va très bien se passer. C'est comme une interview d'après-match, sauf que tu seras assis et que tu transpireras pas. Enfin, tu seras assis en tout cas. Hey, Michael. C'est vrai que le club a proposé un nouveau contrat à Alex. J'ai tout fait pour que ça arrive, Jim. Si on a de la chance, il pourrait même avoir des surprises. Ah, bien, bien. L'important, c'est qu'Alex ne soit pas inquiet. Et tout ce qui compte pour lui, c'est de faire une nouvelle saison. C'est bien plus qu'une saison, Jim. Ça pourrait être le tournant de sa carrière. Vous savez, j'aurais bien aimé, Carol, de quelqu'un comme vous pour le conseiller. Tout ira bien, mon chéri. Essaie d'être toi-même. Ouais, je voudrais bien t'y voir. C'est Rio Ferdinand. Et tu es Alex Hunter. Alex. Jure, il a peur de Rio Ferdinand. Bonjour. Thanks for coming out, man. Ravi de vous rencontrer. No problem. Désolé si j'ai l'air d'un gamin, mais... j'adorais vous regarder jouer quand j'étais jeune. Vous, Giggs, Ronaldo... Et pourquoi il lui répond en anglais, en J'aurais anglais jamais en fait, je sais imaginé pas me retrouver ici avec vous devant les caméras. You trying to make me feel old? Let's get you set up, man. Come on. Et pourquoi il lui répond en anglais, j'ai pas compris en fait. Je suis Alex Hunter, vous regardez Once to Watch. When you look back to where you were 12 months ago, without a professional contract, then you smash an exit trial and find a club. And today, you're a Premier League champion. An FA Cup finalist in your debut season. Tell me when. When did you get the smell, you know, and when did you get a sense that this was going to be a special season?
Alors ça c'est l'arrogant. Ça c'est le modeste. Alors je sais que je suis le meilleur, non, quand même pas. C'est plutôt dingue quand j'y pense. Mon rêve s'est réalisé. J'ai même du mal à croire que je vous parle en ce moment. Vous savez, j'adore jouer au football. Je sais rien faire d'autre. Mais le dites à personne. It kind of helps when you got a game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter. Elle est bien faite, hein, Ferdinand, quand même. Player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? C'était la première fois que je le revoyais depuis son départ aux États-Unis, il y a 8 ans de ça. Have you seen much of him since? Honnêtement, il fait pas partie de ma vie. Ma mère, mon grand-père, ce sont eux ma famille. Honnêtement, je préférerais qu'on parle pas d'Harold. But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Ah, il faut que lui parler de sujets un peu sensibles. I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Ouais, beaucoup de choses ont été dites. Tous les deux, on jouait au foot dans la rue quand on était enfant. On a joué dans notre premier club ensemble. On a signé dans la même équipe pro. Mais c'est difficile. Tout a changé tellement vite. On avait 17 ans, on venait de quitter la maison. D'un seul coup, notre vie a complètement basculé. Dans ce milieu, il faut savoir à qui on peut faire confiance ou non. Je crois qu'au final, on a tous une façon différente de gérer la pression. Et écoutez, je crois que Gareth et moi, on a mis tout ça derrière nous après la FA Cup. On a beaucoup grandi tous les deux. Et attention, il y a toujours une rivalité entre nous. Même quand on était gamins, on faisait tout pour se dépasser l'un l'autre. Listen, so who would usually win then? Alors là, on va mettre ça, je m'en fous. Rio, ne m'insultez pas. Je suis arrogant, mon gars. Vous connaissez la réponse. I think Gareth might have something to say about that. Oui, mais Gareth n'a jamais eu une très bonne mémoire. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Merci. But that's it, man. We're done. Well, good job, mate. D'où vous les sortez vos questions? Franchement, c'était chaud. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. Alors, je suis dans l'incompréhension totale avec ce Rio Ferdinand qui parle en anglais. Enfin, le mec, il parle en français, donc il répond en anglais. T'es le prochain? Ouais. On est devenu populaire. Ah, c'est pour ça qu'il lui posait des questions par rapport à Gareth. Madame Hunter, ça fait un bail. Tu ne m'avais pas appelé Madame Hunter depuis des années. Ouais, disons que ça me semble de circonstance. Les choses ont pas mal changé. Ça, c'est certain. On va t'attendre dehors, Alex. T'as été impressionnant, Alex. J'en attendais pas moins de toi. Gareth. Je savais pas que tu serais là. Comment t'aurais pu? T'es plus mon agent depuis cette embrouille de transfert. Oui, enfin. Tu sais à quel point ce business est imprévisible. Bon, bref. Il faut que je file. T'as été super. Salut. Me dis pas que tu l'as gardé comme agent. Merci, pourquoi pas. Il m'a jamais déçu. Venant de lui, c'est rare. Ça veut dire quoi, ça? Écoute. Tu peux demander à tout le monde autour de toi, Taylor, c'est vraiment un bouffon. C'est en partie à cause de lui que mon transfert a mal tourné. Oui, Gaz, you ready to go, mate? Ça va être à moi. Content de t'avoir revu. Ça va? Et je pense qu'il avait raison, le petit Gareth, hein. Ouais, moi aussi. À mon avis, son agent, il va foutre un peu la merde après. Ça va tout le monde? D'après ce que je sais, sans vous spoiler. On verra bien, on verra bien, on verra bien.
Ok, donc chouette, chouette petite cinématique. Mais bon, ah, il y a un match de coupe là. Alors, est-ce que c'est les vrais matchs de la saison actuelle ou pas? Vu que là, on joue contre Madrid. Et dans la vraie vie, on avait aussi joué contre Madrid. Bon, on va directement faire le match. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait vraiment sympa de ramener un trophée de cette tournée. Hey, du balai. Tu dois d'abord le mériter, Hunter. Oui, il est chaud là, hein, le petit enfoiré là. Il suffit juste de battre le Real Madrid en demi-finale, et soit le LA Galaxy, soit le Bayern de Munich en finale. Eh ben, pas de soucis. C'est quoi? Ah, c'est la coupe. Quelque chose à nous dire, mon ami? Il semblerait que Lily gobe vraiment tout ce qu'il lit. Il croit encore que les premiers pas sur la Lune ont été filmés en studio. Ouvre les yeux, Simplet. Le jour où j'aurai pris la décision de partir, vous l'apprendrez en premier, pas dans la presse. Et ça sera quand exactement? Je pense que ça, c'est la coupe intersaison, à mon avis. Les petits matchs amicaux, là, en début de saison. Alors, attributs. Est-ce qu'on a déjà des points? Les caractéristiques de joueurs permettent à Alex de débloquer des aptitudes et des capacités uniques. Débloquer des caractéristiques grâce aux points de compétences. Ces mêmes points de compétences sont obtenus en faisant progresser la note globale d'Alex. Alex verra sa note globale progresser en disputant des matchs et en étant performant à l'entraînement. Très bien. Alors, est-ce qu'on a... On a 3 points de compétences disponibles. C'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Finisseur, créateur. Ça vaut tir en finesse. Ok, on peut pas débloquer ça? Mais genre... Ah, on doit en premier débloquer ça. Ok, tir en finesse, bien entendu, on va prendre ça. Ah ça, il faut 3 points de compétence. Voler, ok. Mauvais pied. Améliorer vos passes et vos frappes avec le pied, votre pied faible. Ça, c'est bien aussi. Et ça, bam, 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 bam. Tir extérieur du pied. Affiné, con. Très bien. On va prendre ça pour commencer. Hop, et on va faire ce match. Donc, on est passé à 75 en général, en note générale. C'est bien. Alors là, moi, j'incarne jamais Hunter solo parce que c'est très, très chaud. J'incarne toujours toute l'équipe. Je pense pour moi c'est beaucoup plus facile comme ça. Par contre je vois des Bernard et des Gallo là en titulaire. C'est assez dégueulasse. N'importe quoi. Bon, voilà, on va commencer ce match. On va essayer de s'en sortir. On va essayer de faire quelque chose de bien. De pas foutre la merde. Donc là il y a des petits commentaires là sur Twitter. Hein. Peut-être le buteur qu'on a annoncé. Là, on s'en fout. On s'en fout complètement. On va jouer contre des Ronaldo maintenant, mon gars, des Benzema, des Marcelo, etc. Mais Hunter est là, mon gars, numéro 29. Regardez là, il est là à côté de Ronaldo, il dit merde. Alexander, right? You look good last season, kid. En plus, c'est la vraie voix de Ronaldo. Have a good match. Have a good match. On échangera nos maillots. Je verrai ce que je peux faire. Ah, c'est la vraie mode Ronaldo, c'est stylé ça. Mais c'est de nouveau en anglais, ils auraient pu faire une petite traduction. La demi-finale de la Coupe internationale des clubs, Manchester United. Donc voilà, les matchs, je pense que je vous couperai, je vous mettrai que les bonnes parties, parce que sinon ça va être trop de temps. C'est sûr qu'il y a du beau monde sur la pelouse. Voilà. Donc là, on va essayer de gagner ce match de chiasse là. Donc ouais, c'est vraiment l'intersaison, comme je vous avais dit. Macha, passe en profondeur. Ah, Alexandre. C'est go! Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'est en semi-pro, bien entendu. C'était juste pour voir en fait le niveau. Parce que dans FIFA 17, j'avais du mal en pro. Mais là, j'avoue que c'était quand même assez facile. Je marque dès la première minute. Au pire des cas, on enlèvera, on remettra en pro après. Ça, c'est pas un souci. Ah ouais, la remise de centre. Le centre, là, la remise. Elle a changé aussi, avant c'était pas comme ça. Hein. Avant il y avait deux joueurs au centre, je me rappelle.
et on faisait la, on faisait le centre normal quoi. Là maintenant une partie qui ne sert à rien. Mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau 2. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Vous voyez, regardez, j'ai mis ce mi-pro et ça joue quand même bien. Hein. On va pas se mentir. Paul Pogba. Allez Bernard, donne cette balle. Mais non, qu'est-ce que c'est que cette passe, mon gars? Oh là là. Pour intercepter cette passe. On va essayer, mais non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Ah, il est stylé quand même, Hunter, avec les chaussettes retroussées là et sa nouvelle coupe, franchement. Benzema. Je le trouve stylé. Cette demi-finale. Tiens, bien joué. Bien joué. Il y a un paquet de joueurs qu'on connaît bien quand même. Mais je suis sûr que tu veux parler du jeune Alex Hunter. Tu le kiffes bien celui-là, je crois. Hein. Et puis, comment l'oublier, lui qui a été sacré champion d'Angleterre la saison passée. Bah, il ira loin. Putain, fais chier. La mauvaise passe. Voilà, on essaie de bien faire, on essaie de bien faire. On fout la merde. Pourquoi il crie comme ça? Philippe Bernard! Allez, frappe! Pouh! Oh, mais c'est trop facile. Ah là, c'est trop facile de marquer. Ah là là. Faire enculer, gros. C'est ça, hein, c'est plusieurs personnes l'ont dit. C'est en fait, c'est beaucoup plus facile de marquer dans ce FIFA là que dans le 17. Même quel que soit le niveau de difficulté en fait que tu mets, tu fais une frappe et généralement ça rentre presque tout le temps. Donc c'est ça qui est un peu chaud. Ok, donc Anthony Martial. Ah, fils de pute. On essaye, il faut essayer les techniques parce que c'est toujours beau à voir. Modric. Ah, l'escroc. Philippe Bernard. Putain, il aime bien crier, hein, ce temps. On rentre dans le temps additionnel qui sera de. Allez, Pogba, accélère, mon grand. Voilà. Ah, fais enculer, gros. Et c'est bon, deux goals. 3-0 à la mi-temps. Après, voilà, vous allez me dire, ouais, mais c'est un demi pro, t'es qu'une merde. Et ouais, mais je vous encule. On est déjà à 9,2 de note moyenne, là. Vas-y, Pogba. Donne la balle, voilà. Courant Hunter, non, il va pas l'avoir. Si, non, il a pas. Faire enculer, gros. Modric. Ah, Bélé est trop rapide, putain. Attention, ça peut être dangereux. Il est trop rapide, le mec. Bien joué, DGA. Je te revoudrais ça. Karim Benzema. Cristiano Ronaldo. Kroos. Ah! Bien joué, gardien. Bien joué. Bon, attention, c'est pas fini. Valencia, allez. T'es rapide. Je sais que t'es rapide. Bien joué. Valencia. Attention, il a du champ devant lui. Mais non, mais Pogba, fais enculer, gros. Cette distance, on se demande comment il fait. Anthony Martial. Et ça va. Lumineux cette passe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il rate? Fais enculer, gros. Oh non, c'est pas possible. Enfin, ceci dit, ça c'est pas joué à grand chose. Terminé. 3-0 au calme. On va encore se faire un match, ça c'est sûr. Ah, il est content, Hunter. Il a mis son doublé. C'est une très belle performance face au Real. Ronaldo qui s'embellit. Regardez-moi sa race. Et les meringues sont peut-être encore en rodage. Est-ce qu'ils vont échanger de maillot? Genre Ronaldo, il lui dit bien joué et tout. Des couilles. Des grosses couilles. Ronaldo, c'est un mauvais perdant quand il perd. Jamais il va faire ça. Ils vont échanger de maillot, bon ça on s'en fout. Ok, on a des bons points, c'est ce qui compte. Ah, ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'il y aura une cinématique? Est-ce qu'il n'y aura pas de cinématique? Bon, ça va être quand même chaud les montages, je vais devoir chaque fois vous couper et tout. Beau match.
Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. C'est toi qui devrais venir jouer avec nous. Oh, Hunter, you are dreaming? C'est quoi cette voix, mon gars? How about a picture with Ronaldo? You are dreaming? Ok, bon, ça sent quand même un peu la couille. Hein. On voit qu'il va partir à Madrid là. Du moins qu'il veut partir à Madrid. Hey, you are dreaming. Ok, est-ce qu'il y a encore un match maintenant à faire ou pas? On va essayer en tout cas de s'en faire encore un. Ah non, là il y a les entraînements. Les musiques qui vont me niquer ma vidéo sur YouTube. Putain de merde. Oui, ces attributs vont progresser, ça on connaît, t'inquiète. Bonne nouvelle, vous avez une journée de repos. Bon, les frappes en dehors de la surface. On va pas les simuler parce que c'est quand même bien que notre petit personnage là il progresse. Donc on va les faire les entraînements. Du moins on va essayer de chaque fois les faire, ça serait bien. Donc là c'est quoi? C'est juste des frappes. Ok. Très bien. C'est propre. C'est très propre mon gars. Lucarne chaque fois. Hop. Ah, il a arrêté hein, quand même. Bon, de toute façon, on est déjà bon. On est déjà dans le B là. On va essayer de faire un A, ça serait bien. Voilà. Excellent. Et c'est fini. Hop là, hop là, hop là. Il reste 17 secondes. Voilà. Voilà. Truc vraiment plus facile que ça, mon gars. Tu meurs. Voilà, t'as juste à placer, hein. Juste tu places et c'est bon. Même en force, ça rentre, regardez. Hop. Allez, ça c'est fini. On continue. Tranquillement. Ça c'est quoi? Oh, ça c'est déjà un peu plus chaud. Tire, ouais, deux fois B, tir rasant, ok. Ça j'avais oublié, hein, le deux fois B, tir rasant. Je pense que c'est une nouveauté dans FIFA 17, je sais pas s'il y avait ça. Ok, merde, j'ai rien touché. Merde. Ah, ça va déjà être un peu plus chaud. Hein. Putain. On va essayer quand même de faire quelque chose de bien. Voilà. Sinon, ça craint. Putain. C'est bon, on est déjà dans le A de toute façon. Donc, au final, on s'en bat complètement les couilles, vraiment. On va essayer de faire le tir rasant là. Ah, j'ai failli toucher la bouteille. Bon, c'est bon, on a eu. Ah, tranquille. Aucun souci. Vraiment, l'entraînement très très facile. Hop. Notre joueur qui progresse bien. Ça fait plaisir. C'était un super... Je pense que maintenant, il y aura de nouveau un match, à mon avis. Je pense. Non, franchement, jusqu'à maintenant, je suis content du jeu. Franchement, à part les têtes qui ont été bâclées. Enfin, certaines têtes qui ont été bâclées. Le reste, ça va. Quoi. Objectif, obtenir une note de 8 ou plus en entraînement à 11 contre 11. Hey, il y a des objectifs maintenant. Chaque chapitre comporte des objectifs optionnels qui peuvent être atteints. Remplissez les objectifs dans chaque chapitre pour débloquer les récompenses. Les objectifs des chapitres sont des bonus et il n'est pas impératif de les remplir pour continuer l'aventure. En réussissant chaque chapitre, vous débloquerez également une récompense FIFA Ultimate Team unique. Oh putain de merde. Donc il y a déjà un objectif qu'on a raté parce qu'il fallait avoir une note de 8 là. Ouais, donc ça c'est déjà raté. C'est chiant. Cadrer au moins 10 frappes dans la tournée d'intersaison. Là on est à 2. Et remporter la coupe. Oh, fait chier les gars, on a déjà raté un objectif. Bon, c'est pas grave, hein, mais j'aurais voulu avoir le truc FIFA Ultimate Team là. Allez, on se fait un deuxième match. Certains d'entre vous l'ignorent peut-être,
Mais le Galaxy est l'une des meilleures équipes de la MLS. Ah ouais. Ça, elle lâche rien. Elle est organisée. Et contre elle, la moindre erreur se paye cash. Les gars, vous avez été bons en sortant le Real. C'est ce que j'appelle un bon début. Mais là, je veux voir encore plus d'engagement. Plus d'intensité. Je sais pas pour vous, les gars. Mais personnellement, j'en veux pas de la seconde place. C'est parti! Donc c'est la finale. Donc il faut qu'on rompt, écoutez bien, il faut qu'on fasse 8 frappes cadrées dans ce match et quand même alors je sais pas c'est quel niveau de difficulté là, semi-pro, c'est bon, on va laisser semi-pro sinon et quand même 8 frappes cadrées et gagner le truc hein. Non, alors gagner, ça c'est, il n'y a pas de doute, normalement on gagnera, mais les 8 frappes cadrées ça va être chaud. On va essayer, mais ça va être chaud. Hop, on va commencer. Ready to learn about MLS, big shot? Ben, on verra si c'est vrai que tu cours moins vite. Yeah, right. I'm gonna run circles around you. Et ouais, mon gars, on est arrogant, on nique ta mère, mon gars. Alors, c'est qui ce mec en fait, ce joueur? Je sais même pas c'est qui. Pierre, on est pas bien là à Los Angeles pour cette finale de la Coupe internationale des clubs? Allez, c'est parti, on engage. Dans cette intervention. A priori, il n'y a pas de souci hein, pour Manchester United. Les Mancuniens sont. Allez, putain, fais chier. On a très bon carte, il récupère le ballon. Anthony Martial. Pogba. Putain. Ah là là, ma cote, mon gars, elle est dégueulasse. Allez, putain. Je suis à 5,3. Ah là là, est-ce que c'est une frappe cadrée ça ou pas quand ça touche la transversale? Bonne question. Allez mon gars, Giovanni. Putain, j'ai tapé le Real 3-0 et là. La passe est interceptée, le ballon est perdu. Qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. Ouh, oh, la transversale. Je mets une transversale, il en met une autre. Il a du répondant, le mec. Il a du répondant. Ça, j'aime bien. Victorien. Mais allez, Hunter, mon gars. Ça peut très bien faire un but. Romain Lassandrini. Un bon travail défensif là, de l'attaquant. Alors je récupère bien, mais niveau offensif, c'est merdique. Hein. Ah oui, la bonne passe. Ah, dommage, le manque de. Allez, tiens. Oh, ça peut faire but. Et le but, l'ouverture du score dans cette finale. Petite passe D d'Hunter, ouais, mon gars. Très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. L'adversaire du Galaxy qui a oublié de couvrir le côté. Alessandrini. Alors comment est-ce possible? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Oh là là, le bol qu'ils ont eu, mon gars. Mi-temps 1-1. Ok, mi-temps 1-1, tout est possible. Tout reste de possible, on y croit. On y croit, on sait qu'Hunter va faire ce qu'il faut. Halle Galaxy. Allez, l'arbitre a sifflé, le jeu reprend à l'instant. On va voir si les deux équipes ont bien récupéré de leurs efforts à la mi-temps. Antonio Valencia. Alors, j'espère que ça n'ira pas en prolongation. Parce que ça va me faire chier, clairement. Mauvais tir, ouais, mauvais tir. Bon, on essaye. De faire la différence, mais c'est... Bonne passe, Mkhitaryan. Bonne passe. Anthony Martial. Le mec, on ralentit, regarde la balle, il attend qu'elle arrive.
peut-être. Mais bon, bien essayé quand même. Allez, Pogba, putain. Paul Pogba. Oh, superbe intervention. Oh là, l'interception. Bien, parce qu'il y avait danger. Victorien. Oh, faire un tirer, gros. Tiens, quel goal, putain de merde. Fais quelque chose, voilà, dab, mon gars. Putain, fin de match. Et voilà, Hunter qui frappe à nouveau. Quel volet, mon gars. Pouh, tiens. Comment, tu veux me remplacer? Enfoiré. En plus, il me remplace, mais... Tiens, t'es enculé, gros. Il me remplace, l'enfoiré. Oh là là. Simulé fin du match. Bas les couilles. Tu m'as remplacé. Ben, va te faire enculer, gros. Et j'espère qu'on a gagné, hein. Parce qu'imaginez, je simule la fin de match, là, et ils égalisent. J'ai 8,5, c'est pas mal. 400 000 abonnés, gros. On monte à 76 en général, c'est bien. 6-1. 6-1. Le mec, il me remplace à la 85e et en 5 minutes, il marque 4 goals. Si tu veux. Si tu veux, Mourinho. Ah, il est là en Philippe plein, mon gars. Il est en pépé. Tu ne m'as jamais appelé, fiston. Ah, son padre, il est là, putain. Papa. Quoi, t'es mon plus grand fan maintenant? Sache que tu me ressembles plus que tu ne le crois. Peut-être bien. C'est assez dur à dire, en fait. Oui. C'est pas faux. Alors, cette vidéo sera quand même un peu longue. Ta place sur un terrain. Ouais, c'est qu'un tournoi d'intersaison. T'es en train de devenir un bon joueur, Alex. Écoute... Bon, tu m'excuses, je dois y aller. On s'envole pour Chicago ce soir et j'aimerais faire un peu de tourisme avant. Quoi? Un taxi? Sois pas ridicule. Allez, je t'emmène. Et ouais, son père, il voit que maintenant son fils, il devient bon, bah il va le gratter, hein. Ah, regarde celle-là. Pas mal la vue, hein. Alors, tu vas te frotter aux stars de Chicago? Ça va être dur. Il y a de bons joueurs dans ce championnat. Ah ouais? Et comment tu peux le savoir? Ben, tu vois, quand on recrute, faut savoir se tenir au courant. J'ai bossé pour le Galaxy. Fallait bien que je gagne ma croûte là-bas. Le football, c'est toute ma vie. T'étais pas resté en Angleterre après la finale de la FA Cup? Si, bien sûr. Je cherchais de nouveaux joueurs dans le pays. Mais j'allais pas y rester éternellement. C'est qui? C'est une fille que je connais. C'est pas important. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, Alex. Souviens-toi de ce conseil. C'est pour elle que tu nous as quittés. Allô, ça va, Jerry? Ouais, d'accord. Je peux te rappeler dans une minute. Je suis au restaurant, là. Il faut que j'aille payer. Ok, donc il retrouve son père. J'aimerais bien savoir où ça va nous mener, tout ce bourbier. Et voilà, on sera dans le prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Ça serait très gentil de votre part. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 3. Cet épisode sera un peu long, mais c'est pas grave. Tant mieux. Voilà, en tout cas... Un très très grand merci à vous, on se retrouve très prochainement. Ciao les gens.